I'm gonna lock up. Allô, le bonsoir, le bonjour. Moi là, avec vous, par la grâce de Dieu, et moi dis bon Dieu merci pour présence. Moi dis bon Dieu merci en particulier pour ce sujet ça que nous allons débattre. Son sujet extraordinaire. Mais, on même qui avec nous, avant que nous entrions dans ce sujet, avant que nous commencions l'étude là, nous allons montrer une vidéo. Mais vidéo ça, c'est vidéo la pleine. Son vidéo, nous elle est la pleine, mais au fond, son vidéo qui peut aller expliquer une série de bagages concernant Haïti, réellement concernant le travail que le Seigneur a fait en Haïti. Moi, dis mon Dieu encore, merci pour vous-même. Suive vidéo ça. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Nous allons chanter le premier couplet de la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traite, du sol, soyons seigneurs. Après 4, 2, 4. Le pays. Les ancêtres marchant unis, marchant unis. Dans nos rangs, point de traître, tous soyons seigneurs. Marchant unis, marchant unis. Pour le pays, les ancêtres marchant. Nous retournons et nous disons, mon Dieu, merci. Encore une fois, pour nous-mêmes qui avons gardé. Nous parlons d'entrer dans un sujet qui est un sujet difficile, mais cependant, avant d'entrer là-dedans, je vais mentionner au sens ce trait-là. C'est l'école Alliance communautaire chrétienne de Roche-Blanche. C'est une localité en dehors de Croix-des-Bouquets. Il n'est pas loin de Croix-des-Bouquets. Mais on même qui est habitué avec zone nan, ou qu'on reconnaît que c'est un côté qui ont déjà retiré dans le fond. Les bons côtés, on côté où il est d'abord en veste. Mais nous disons, bon Dieu, merci, est-ce que c'est là que bon Dieu mettait œuvre nous. Ça, comme besoin d'expliquer, ce que on même besoin de comprendre, c'est que son l'école qui a fonctionné là. Septembre arrivé et tout le monde connaît que l'école là va recommencer. Donc c'est peut-être ça nous montrer au vidéo ça afin que nous cap dire aider continuer aider ou même qui habitué faire continuer faire aider parce que nous réellement va besoin fond pour que l'école repédale et c'est pas un bagage de nouveau. Ou même qui compte ça, ou même qui réalise ça, avec moi, nous obligés continuer travail ça, nous obligés continuer fait et faut ça. Sako kabay, bay, pas hésiter. Li pap jam trop, il pap jam trop petit. De pou kapab, bay. Et Dieu non seulement va bénir, mais encore plus. Sakoba là a continué travail. Parce que c'est Timoun qui prend l'école. C'est Timoun qui prend le fait. Volonté, bon Dieu. Son l'école chrétienne avec des instructions extraordinaires. Encore,
mwen di bon Dieu merci pour même dans Edza. Qu'on y a nous pral passer à frère Jerry un petit peu en anglais mais li pral ba ou sans que nous rele l'horaire de l'église. OK? Greetings and welcome to Christian Community. Nous gagnons un petit problème avec vidéo ça. Donc, m'a simplement bon oh et à la même. Nous sommes Christian Community Alliance Church. Nous dans coin Cortelieu avec East 19. Et nous là depuis des et des années. Si que ou pas dans l'église que vous fréquentez, nous avons demandé pour qu'ap vini et nous avons content sous qu'ap avec nous. Encore une fois, n'a tout de suite dit un bagage qui est important. L'église son institution divine. Même si avec la famille, l'église c'est pas un bagage que les hommes fait, mais son bagage que le Seigneur Jésus fait, mais lui utiliser les hommes. Nous t'a aimé ouais avec vous lorsque ou même ou capable. À cause de corona situation New York City, nous gain service seulement le dimanche et c'est à 9h. 9h du matin, nous commencer. Nous retransmettre service dans chaque bagaille que nous fait. Nous dit bon Dieu merci pour nous-mêmes. Est-ce que vous cap voir nous sur YouTube, sur Facebook. Mais la semaine nous opérer dans Zoom. Now, si que vous allez dans site l'église là qui ccaoutreach.org, vous pouvez comment qu'on cap monter dans Zoom. C'est numéro 586-631-1082. Dans Zoom, on va priver la donne dans 586-631-1082. Code-là, c'est 1KSXHA. 1KSX. KS. X et majuscule HA. C'est code-là pour Zoom. Donc, nous là, de 7h à 9h, peut-être 9h30 et des fois, chaque jour de la semaine, excepté le mardi. Et nous fait session yo en créole, un peu en français. Puisqu'après tout, nous lisons la parole de Dieu en français. Nous faisons les non-sens à l'haïtienne. M'a demandé où pour participer avec nous. Et au commencement, au Caboué, que nous avons plusieurs monde sous Zoom, là, et que nous habituons avec eux, et que nous prenons le pédaler, et nous avons continué l'étude, etc. Mais pas besoin de nous. Au fur et à mesure, ou à comprendre ce qu'on dit. Nous, pas simplement à prier, étudier la parole, nous avons prière tout cap fait intercession. Intercession de 7h à 8h et non arrivé à 8h en général, nous baillons la parole. Donc, nous demandons pour venir avec nous dans Zoom et venir entendre la parole et puis ensuite tout venir prier. Nous prions pour toute cause, pour toute bagaille. Bien entendu, nous prions pour tous les hommes, suivant la parole bon Dieu. Moi, je dis bon Dieu merci pour nous-mêmes et nous espérons que nous prions dans Zoom lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, nous pas fonctionné. OK? Mais le dimanche, nous retournons back, mais c'est pas dans Zoom. Nous retournons back dans ça que nous-mêmes nous relais YouTube, alors YouTube, et dans l'autre média qui Facebook. Donc, nous espérons que nous,
qui est bien avec nous dans le nom du Seigneur. Jodi, nous avons commencé un autre sujet avec vous. Son sujet que vous pouvez remarquer qui est réellement important. C'est une espèce d'extension de sujet ça que nous déjà avons développé depuis des temps de la grâce de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu pour l'éternité. Non, pas oublier moi, pour l'éternité. En d'autres termes, c'est pas grâce, mon Dieu, simplement pour nous vivre. C'est pas grâce, mon Dieu, simplement pour nous cap travail. C'est pas grâce, mon Dieu, simplement pour nous cap souffrir. Mais c'est la grâce de Dieu pour l'éternité. Sujet ça, son sujet extraordinaire. Vous pouvez l'entendre, un paquet de bagailles. Vous pouvez l'ouvrir, un paquet de bagailles. J'aimerais expliquer d'abord qui but enseignement ça. Ouais, la plupart de monde et la plupart de chrétiens nous intéressés dans ça qui a fait jodi. Nous intéressés dans ça qui a réglé jodi pour nous. Mais on peut expliquer où ça nous va étudier. C'est la grâce de Dieu pour l'éternité. Alors, l'est-il grâce mon Dieu pour chacun de nous? Monsieur Badin, nous prenons l'entrée dans l'autre dimension. Nous prenons l'entrée dans l'autre, entre guillemets, niveau. C'est le niveau de l'éternité. De très souvent, et c'est là que nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre, lorsque n'a parlé de la grâce de Dieu pour l'éternité, nous n'ont-ils pas réalisé de quoi est-il question? Moi, dis mon Dieu merci de ce que nous-mêmes, nous allons réaliser ça avec. Grâce, mon Dieu, c'est pas simplement sous terre. C'est pas simplement pour ça que nous cap dire. C'est pas simplement pour deux jours. Ou même qui la comprennent. Il y a des monde qui dit, mais besoin de grâce, mon Dieu, pour ceci et pour cela. Et au fond, oui, nous avons besoin de grâce, mon Dieu, pour ceci et pour cela. Mais cependant, nous avons besoin de comprendre nos bagailles. Nous avons besoin de dire avec ça, dans une dimension, réellement, une dimension nouvelle, ça que nous avons cabrélé, une dimension d'importance extraordinaire. Parce que, au fond, nous avons tendance à penser à grâce, mon Dieu, simplement, on a fait deux. Eh bien, non, pour nous avoir, non, nous besoin de grâce, mon Dieu, pendant sous terre. Bon, Mbabra dit que nous besoin de grâce, mon Dieu, pendant sous terre, mais Mabdili, avec grâce, mon Dieu, pour l'éternité. Oublier qui point, c'est pour l'éternité. En d'autres termes, c'est pas une grâce qui baille pour aujourd'hui ou bien pour demain, c'est une grâce qui baille pour l'éternité. Il y a une bagage que m'a montré où qui est important. Nous n'a plutôt 1 Corinthiens et c'est la donne que n'a commencé.
Et maintenant, chapitre 15, dans 1 Corinthiens. Écriture, ça, c'est lui-même qui est écriture de base, non? Et moi, je crois qu'au fur et à mesure que nous avons développé, on va réaliser un important sujet, non? OK? Qu'arrive-t-il? Et en on est. Tenez, oui? Nous, dans chapitre 15, et m'a commencé à partir de verset 31. Paul a parlé, il dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient? Quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Remarquez qui s'écrivait. Mais il dit un bagage qui est d'une importance capitale. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et il continue, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Attendez. Ouais, versets ça yo, ce sont des versets clés dans ça que nous allons étudier. Ou même qui a comprendre sujet a, mais ça que moi besoin dire. Nous dans verset, nous dans chapitre 15 qu'on y a. C'est ça? Mais ça qui dit, dans verset 19, nous dans chapitre 15 et nous dans 1 Corinthiens et nous dans verset 19. Attendez. Verset Zayo, c'est lui qui clé toute étude. Non? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Sujet nous, c'est grâce, bon Dieu, pour l'éternité. Nous remarquons que m'étudier grâce, bon Dieu, sur plusieurs niveaux déjà, et dernièrement, nous t'es plus à étudier grâce mon Dieu sous niveau terrestre. En d'autres termes, pour nous vivre, pour nous minister, pour nous souffrir, etc. Et nous besoin grâce là. Mais cependant, je vous dis, n'a pas de grâce dans l'autre dimension. N'a pas de grâce de Dieu pour l'éternité. En d'autres termes, c'est pas une grâce pour simplement sous terre, pour terre, mais c'est une grâce pour l'éternité. En d'autres termes, c'est pas une grâce qui a suspend, c'est pas une grâce qui n'a pas là encore, c'est une grâce qui est réellement pour l'éternité. Bon, m'expliquer au départ, ça crivait.
Ouais, en général, dans l'église, ils ont insisté, et tout le monde comprend, sous grâce là, pardon, sous terre, pour qu'à vivre sous terre. Donc, ou gen grâce pour ceci, ou gen grâce pour cela, et réellement, bon Dieu, ba grâce pour tout bagay. Ok? Et réellement, moi dis, mon Dieu, merci, c'est un Dieu de toute grâce que n'a servi. Mais cependant, nous toujours ouais grâce là pour situation du jour. Nous toujours ouais grâce là pour, bon, je vous dis à grâce mon Dieu, la grâce de Dieu se renouvelle pour nous chaque jour. Vous comprenez? Nous toujours ouais grâce là comme un bagage qui est nous besoin de. Grâce mon Dieu avec vous, grâce mon Dieu pour comprendre, grâce mon Dieu pour étudier. Grâce mon Dieu pour qu'elle santé, grâce mon Dieu. Où est l'idée? Mesure entrée dans l'autre dimension. C'est pour être ça, on a pour l'hiversaire. L'idée ce qui suit. Attendez. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et puis il continue, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, qu'on y a, si c'est dans cette vie seulement, la parler de vie sous terre. Si c'est dans cette vie seulement, la parler de temps présent. Si c'est dans cette vie seulement, la parler de qu'on y a. Ouais, Didier? C'est ça. Ouais, li, dans cette vie présente, n'a exercé la foi pour mon Dieu, grâce li, manifestée dans nous-mêmes. Mon Dieu, ben nous, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En d'autres termes, pour nous qu'à vivre sur terre et pour nous qu'à obéir li et servir li. Mais cependant, grâce à qui pour dans cette vie, il y a une importance capitale et pas diminuer. Mais cependant, la grâce de Dieu pas simplement été pour cette vie. Non? Pour qui ça? Parce que, ouais, de très souvent, nous qu'on lit, nous qu'on étudie, et Jésus vini pour la vie en abondance. Jésus vini pour la guérison. Jésus vini pour le cap. Ouais, toute une série de bagages que Jésus vini pour le faire. Mais il y a un bagage que je veux comprendre. Jésus pas vini pour cette vie, non? Simplement. Il est vini pour la vie cap vini après. C'est pour être ça. Au monde qui croit dans Jésus, ou pas gagner la vie pour cette terre, non? Ou gagner la vie éternelle. Ah, qu'on y a commencé à comprendre. Donc, lorsque nous gagnons grâce, mon Dieu, en Christ Jésus, c'est pas simplement pour terre. Parce que c'est là que le problème est. Et je suis clair alors, au départ. Que c'est même. Que c'est ou même, que c'est Paul, que c'est Jean. Nous tous gagnons pour nous mourir si Christ pas tourné. Si Christ tourne en un clin d'œil, au son de la trompette, comment on s'en va le changer encore glorieux. Mais, si Christ pas tourné, nous vivons 80, 90, nous entrons dans 100, nous entrons dans 110, nous entrons dans 120, 150, etc. Libre est réellement important pour réaliser un bagage. Bon Dieu, pas aller simplement à ce niveau, non? Bon, petit écriture. Vous comprenez? Je vais aller venir avec le pour, oui, pour qu'elle comprenne.
bral l'île pour réaliser. Quelle est une série de théories qui baille au départ et ma petite gens intéressé la vie sur cette terre. Alors, on connaît, c'est pas votre personne, mais même tout, dès qu'on est apprécié, libre, comme quoi disant, que bon Dieu, ben, nous limite sous tes ça, et que limite lancée, you know, 120. Même bon petit cause. Mal fontier tu là. Ou même qui est intéressé dans les choses spirituelles, m'bral fait un petit route avec. Et nous pral dans somme. Dans qui somme que nous pralé? Dans somme 90. Dans somme 90, là, c'est une somme de Moïse. Et nous tous habitués avec lui. Alors, moi, dis nous tous, la plupart de nous, habitués avec lui. Et nous réaliser que il y a un pile révélation qui m'a la donne, il y a un pile bagaille qui dit et il y a un pile bagaille qui explique. Qui ça qui explique? Remarquez comment que il dit ça, prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ah! Vous commencez à comprendre qui ça que l'a dit, hein? Vous comprenez? Yeah. L'éternité en éternité, tu es Dieu. Ou même qu'il a forme bounty explication. Lorsque l'on parle de éternité, la plupart du monde, ils pensent que son temps est fini. N'est pas réellement biblique, alors ni scientifique. Qui s'attend au fond qu'ils allient? Lorsque l'on parle de Tessa et nous dit nous sommes dans un temps, nous a parlé de croire. Le temps fait partie de la création. Bon, entrez nos bagages qu'on besoin comprendre. Parce que on peut pas comprendre la grâce pour l'éternité si qu'on va comprendre sa éternité. Le temps fait partie de la création. En d'autres termes, nous sommes planète, planète la grande évolution sous lui-même. Lorsque le sorti de A li font révolution, li retourne back nan A, 24 heures de temps. Qui ça tant? Tant vraiment, c'est un bagage qui mesuré à partir de révolution terrestre. Et c'est comprendre nous qu'on y a ce qu'on dit. Si tu es à pas viré, eh bien, ou pas de temps. Soleil a dans une position, il a toujours été dans la position. Lorsque Terre là, dans la position ça par rapport à Soleil là, Terre, Soleil là, va rayonner sur une partie de Terre. Vous commencez à comprendre. L'autre a viré, et puis, à un certain moment de la durée, sauter là dans la position A ou vin virer avec terre ou pas le soleil encore et puis il fait nuit, mais attention, soleil là toujours là. Donc lorsque soleil là a disparu de côté hier, il va lever de l'autre côté, mais réellement nous dit lever et nous dit coucher. Mais réellement, ni soleil là, ni la lune, n'a pas à me lever, ni coucher. C'est terre là qui a viré. Et l'autre terre là fait une révolution complète sur lui-même, qui s'accrivait. Yeah, c'est ça, oui. Qui s'accrivait? Ma brébéto. Qui s'accrivait? Un jour.
Et puisque gagne la lune, les étoiles et le soleil, ou vin gagne la nuit et le jour. Mais un jour, c'est 24 heures. Mais nous, les parties de joie, là, nous, le soleil, là, nous, le jour. Parti dans le jour que nous pas au soleil là, nous est la nuit. Vous commencez à comprendre. Bon Dieu mettait soleil là pour présider au jour, il mettait la lune là pour présider à la nuit. Donc là la lune là vient paraître et puis on dit c'est la nuit. Mais qu'on y a un bail pour me dire. Vous commencez à comprendre bien, il dit holy côté temps fait de bagaille là. Eh bien, temps fait partie de la création. C'est révolution qui bord un jour. Révolution bord deux jours. Révolution sept fois bord une semaine. Alors, on commence à comprendre sept jours. Révolution 30 jours et 31 parfois, les vins bord un mois. Est-ce que tout le monde attendait? Est-ce qu'on va suivre? Alors, le problème qui est arrivé, le temps fait partie de la création. Qu'on y a besoin de montrer un petit bagaille. Tout autant sous terre ou non dimension de temps. Lorsque planète là a viré, il y a 24 heures de temps. Donc, lorsque le viré un 24e de distance, il y a 1 heure de temps. Ah, on commence à comprendre. Donc, c'est distance révolution hein, qui vient bas ou les heures. Mais qu'on est que ça m'a dit, voilà, il prend du temps, il y a des fois pour absorber. Mais cependant, on m'a arrivé, c'est qu'on s'allie. Alors, encore est-il que lorsque on fait 1 heure de temps, on vient faire 24 heures de temps, on retourne back côté de avant. Ouais. Alors, je parle par rapport au soleil, par rapport à la lune. C'est pour être ça, la plupart du temps, moun Gabriel m'en comprend. Dans les temps anciens, alors, navigation li contrôlé par plusieurs bagailles. En d'autres termes, repérage, côtoyé, c'est plusieurs bagages qui baillent. Premier bagage là c'est soleil là, l'autre là c'est la lune là. Et puis gon bagage qui baillent tout ce sont les étoiles. Et plus précisément les constellations. L'arrangement des étoiles. Gen une position koyé ou cap dit OK, mes côté mien. Et ou même qui cap comprendre certaines choses, il y a ce qu'on appelle les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous commencez à comprendre. Vous connaissez, ça va dire, pasteur, entrez là, nous avons fait des 4 points cardinaux, nous avons tombé dans la géographie, nous avons tombé dans l'astronomie, nous tombé dans la géographie. Mais vous connaissez ça, privé, mais ça, privé. Où est position sous terre, son position géographique première? Non, naturellement, c'est un peu les hommes. Mais la Terre est divisée nord, sud, dans plusieurs hémisphères, et au cap comprendre qu'on y a, qu'arrive-t-il? Tout bagay sa yo, yo fait partie du présent. Ouave? Le nord par le sud, l'est par l'ouest, et ou même au cap comprendre les directions. Il prend 2 jours pour y faire tel côté. En d'autres termes, ouave moi? Ou ap marcher dans direction, hein? Mais cependant, la terre ap tourne. Mais vraiment, le dos ou prend 2 jours pour y faire côté, hein? En d'autres termes, la terre est en fait 2 révolutions sur lui-même, et puis c'est le sang ou même ou y fait. Vous commencez à comprendre. Parce que qu'arrive-t-il, en pile fois nous-mêmes chrétiens, et moi dis chrétiens, nous pas réalisé qu'est-ce qui se passe. Alors, remarquez tout ça m'oblige à expliquer pour m'expliquer que le temps fait partie de la création. Alors,
Remarquez, il dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. En d'autres termes, Dieu parité dans la dimension ça, dans la dimension terrestre. Il parité dans la dimension temps. Et pour être ça, lorsque Pierre parlait, tout le monde connaît ça, je ne vais pas parler dans l'écriture, mais on connaît l'île dans 2 Pierre, chapitre 3. Ouais, pour Dieu, 1000 ans avec un jour, c'est même pareil. Pour qui ça, c'est même pareil? Pour Dieu. C'est parce que les jours, la révolution de la terre sur elle-même, pas changé, mon Dieu. Bon, tout de suite expliquer un petit balai. Ou réellement besoin de comprendre certaines choses. Dieu n'est pas créé. Dieu existait. Il n'a pas jamais changé. C'est difficile pour nous comprendre ça. Mais je vais l'expliquer un petit bagage au point de vue purement intellectuel. Vous allez comprendre. Le parler de Dieu, qui ça Dieu y est? On doit parler dans plusieurs formes. Dieu est un père, Dieu est le créateur, Dieu est le ceci, et puis tout bagage. Mais cependant, ça crie Dieu. Dieu n'est pas une créature. Dieu existait, il a toujours existé. Yon ne bagay que m'a dit, et ou même m'a comprendre. Est-ce que un toujours existé? Est-ce que deux toujours existé? Est-ce que trois toujours existé? Pourquoi ne qu'il m'a fait avoir, mais ça m'a fait avoir. M'a vini avec ça ou elle est principe. Ah, qu'on y a commencé à comprendre. Ça, ça l'a dit. Ce sont des principes que vous voyez. Est-ce que si n'y a pas une chaise, il n'y a pas existé? Est-ce que si n'y a pas deux chaises, il n'y a pas existé? Que c'est dans chaise, que c'est dans étoile? Ou comment c'est comprendre qu'on y a? Que c'est dans les assets, etc. Ce sont des principes qui existaient. En d'autres termes, voici ce qui arrive. C'est pas parce que y a plusieurs chaises, ou avec, qui fait trois villes exister, ni quatre. Quatre existaient avant chaises là. On est un petit peu compliqué, ça m'a dit. Ok? Alors, qui ça m'a dit? De même que Dieu. Dieu existait sans que rien d'autre pas existé. Ok, l'ontigien difficile qu'on y a pour absorber. Mais moi, dis-moi Dieu merci, on fait un petit effort, ok? Son effort qui grave, son effort intellectuel, mais il va le déboucher sur un effort spirituel. C'est ça. Effort intellectuel qu'on a fait là, faut comprendre. Nous utilisons mots pour identifier certaines choses. Mais dans le monde spirituel, c'est ça qu'on a commencé à comprendre. Pas gagner aucune barrière visuelle, physique, matérielle. Alors, c'est peut-être ça, Dieu pas grandi. Dieu, ou avez-vous qu'on y a? Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu leur a parlé de lui-même. Il n'est pas vivre dans la même dimension avec nous.
li pa existe nan menm dimansyon avè nou. Nou existe nan dimansyon temporel, kou yon kompren. Nan dimansyon materyel, kou yon kompren. Nou existe nan dimansyon fizik, ou kompren? Men sepandan, Diyo li menm, li pa existe nan kondisyon sa yo. Diyo kreya l'om a son imaj e a sa resemblans, men ki sa ke bon Diyo fè? Li mette soufli dan l'om. E poutan, l'om kon yon vinou am vivant. Nou tout kone, nou pa simplement materyel, fizik. Nou som des espri. Lò di moun sa moun nan di, oh, yeah. Nou se yon espri ki gen yon kor kap viv avèk moun om. Ki sa ke kwaye? Se li gen kontak avèk le moun? Materyel. Se a koz de kor ki fè ke moun Diyo kreye zabriko, anana, mango, ou koman se kompren? Ble, avwan, froma, bon Diyo kreye, ou adinye? Se pou souteni kor. E pa bli ou komansman, nou pat nan manje zanimo, men nou tap manje le fwi de zab. Ou menm ki ka kompren, ou koman se reale zon bagay, ou komansman, l'om nete pa karnivor, ni omnivor. Nous étions herbivores. Ok, on pas qu'être mot pour le dire quoi. Eh bien, l'homme c'est vegetable ou encore végétal que le démangé. Ah, qu'on y en comprenne. Je dis, ok, pasteur, qui fait végétal et guérison? Non, non, c'est pas ça, m'a discuté qu'on y a. Mais cependant, en réalité, c'est seulement après le déluge que mon Dieu bâille l'homme. Vous commencez à comprendre. Autorisation. À partir de ce moment, on cap manger le bétail, on cap manger la chair. Vous voyez l'idée? Now, qu'arrive-t-il? Et on même on poursuit avec le raisonnement, ok? Now, mais qu'on est que le paraît que nous réellement loin de sujet. Mais attention, nous tout brille. Pour comprendre l'éternité et le spirituel, il faut qu'on ait une idée du matériel. Pour qui ça? Le matériel sautit dans l'esprit, dans le spirituel. C'est pour être ça, l'apôtre Paul nous dit, c'est le spirituel qui existait avant. Nous-mêmes, nous devons comprendre que réellement, c'est à partir de l'esprit que nous sautit. Les outils difficiles, mais cependant, la création sortit de l'esprit. C'est pas la création créée, bon Dieu. C'est bon Dieu créé les êtres. Quel qu'en soit, rien, végétal, animal, minéral, vous commencez à comprendre, il sortit dans bon Dieu. Bon Dieu, parler et puis va à la fin. Qu'on y a essayé, oui, au nom de Jésus, ça va me dire. Faut comprendre que Dieu lui-même, il n'y a pas de contrainte de temps, il n'y a pas de contrainte matérielle, il n'y a pas de. Oui, l'idée. Mais Dieu fait un bagage pour nous. Il souffle dans Adam, il vit nos âmes vivantes, parce que l'on soufflait. C'est le souffle de vie que nous relais esprit. Qu'on y aime tout de suite tout ça. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a une série de monde qui ne comprennent qui ça veut dire image, qui ça veut dire ressemblance, et il y a un paquet de théories qui cabale là-dessus. Mais où c'est un esprit? Ou genyen yon nom, et ou ap viv nan kon.
l'esprit a un rapport et contact avec le monde spirituel. Vous voyez? L'homme a un rapport et contact avec le monde intellectuel, le monde émotionnel, le monde mental. Et ça crive, il faut comprendre que bon Dieu a un homme. C'est là-dedans que vous venez gagner en grande partie nos sentiments. Mais qu'on y a au bon corps, avec corps physique ou un rapport avec le monde matériel. C'est peut-être ça, faut maintenir corps physique là, nous allons parler de ça plus devant, avec les matériaux physiques. Donc, qu'on voulait, qu'on pas voulait, et c'est pas ça, des fois, que nous perdus de vue. Ouais, Moïse, par la grâce de Dieu, par la révélation divine, Lévin dit nous, voici, avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mon Dieu, ça l'est dit. Ou même qui connaît, il traduit Dieu, mais c'est le même mot qui signifie juge. Dieu est un juge. Il est aussi un créateur. Il est aussi tout son cavalier. C'est pour être ça. Lorsque Moïse mandait Dieu, qui est-ce qu'il y a? Si on mandait qui est-ce qui voyait, qui ça que m'a dit? Dieu répondit, ou à dire, je suis ce que je suis. En le terme, c'est ça, Jéhovah vous l'a dit. Je suis ce que je suis. Mais Dieu t'est toujours existé en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour être ça, ou même qu'il a compris, ça m'a dit. L'homme plus Genèse au commencement, Dieu créa. Et l'homme de Dieu créa, remarquez, ce n'est pas une forme singulière. Son forme plurielle. C'est peut-être ça, il est l'Elohim. Pas fond en grec. Et pas espérer que vous-même tout fond en grec. Mais cependant, forme hymne, terminaison, finale là, c'est une forme plurielle que lié. Ou bien des kibbutz, alors c'est côté que nous connaissons. Qui maison communale des juifs, kibbutz. Pluriel là, c'est kibbutzim. Alors, c'est hymne, y ajouté. De même qu'on gagne de l'eau, c'est na. Eh bien, avec de l'eau, les eaux plurielles, c'est na hymne. Donc, hymne, c'est lui-même qui fait pluriel là. Par exemple, plusieurs dieux, mais Dieu existait. Sous plusieurs formes. Ah, qu'on y a commencé à comprendre. Il existait sous forme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'on y a un combat avec Baldo. Conseil de monde qui pensait que ce sont les théologiens catholiques, en blague, que c'est un seul qui gagne, c'est Jésus. Non. Il y a trois personnes en Dieu. Qu'on y a encore comprendre son doctrine catholique? Non. Ce sont les choses révélées dans la parole de Dieu. Le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que c'est trois personnes distinctes? Oui. Mais attention. Il y a tous les trois. Il y a Dieu, un seul.
Les ontisions difficiles pour nous concevoir ça. Il y a les difficiles. Les difficiles pour nous reconnaître trois personnes en Dieu. Très, très, très difficile. La personne ou les personnes qui existaient en Dieu, y ont réellement gagné tout pouvoir, toute autorité égale et y ont travaillé de commun accord. Essayez de comprendre ça, Baldoula. On va remarquer au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc nous connaissons, c'est ça, la deuxième personne. Mais on va arriver et Dieu qui a créé au commencement dans Genèse chapitre 1 et on a appelé la terre était informe et l'esprit du Seigneur. Ça l'a fait. T'a vanté au-dessus des eaux. Alors, moi, m'utilise le conseil, vous comprenez? On a des termes qui sont comme un PC d'eau. C'est ça. L'Esprit Saint est Dieu. Bon Dieu, c'est lui qui crée tout le bagaille. Mais, l'on commence à étudier la parole. On commence, ouais. Bon Dieu dit, non pas pouvoir, non pas puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et nous remarquons que l'Esprit Saint est Dieu, nous restons en plusieurs secteurs, et nous remarquons Ananias et Saphira, qui ne connaissent que n'ont pas capable de mentir à l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu n'est pas la force de Dieu. Nous, tout le temps, attendez ça, bon, etc., la force... Non, l'Esprit Saint gagne force. Ah, qu'on y a une grande différence, oui. L'Esprit Saint est une personne, il a une identité. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais ou pas qu'à attrister une force. C'est une personne. Ah, qu'on y a, on commence à comprendre. L'Esprit Saint, c'est le conseiller. Oh, yeah. Oui. L'Esprit Saint, c'est le consolateur. Alors, c'est une force. C'est une personne. L'Esprit Saint parle, mais c'est une personne. L'Esprit Saint a émotion, mais c'est une personne. On connaît un paquet de fois, nous ne comprenons pas ce qu'on dit dans la Bible, non. Mais je dis, on ne joue pas. Jésus dit, attendez-vous, pas aller prêcher, pas le faire rien. Mais tant, lorsque l'Esprit de Dieu surviendra sur vous, vous recevrez une force. Où est l'Esprit de Dieu? C'est lui-même qui bat force là. Mais pas confondre que l'Esprit Saint, c'est la force active de Dieu. Non, l'Esprit Saint est Dieu. Mais c'est lui-même qui baille partie force là. C'est peut-être ça, c'est lui-même qui baille onction. Ou alors, on peut étudier, on peut comprendre ça dans Isaïe chapitre 11. Lui expliquer que Jésus est loin de Dieu. Et il y a un paquet de bagages concernant Jésus. Il y a un bagage qui dit, mais ça que le bras gagne. L'Esprit du Seigneur. Et d'après moi, que Jésus répétait phrase ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Esprit de force. Esprit de la crainte de Dieu. Ah, qu'on commence à comprendre. C'est ça. L'on peut étudier, on commence à comprendre que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de force. C'est lui-même qui bat force là. C'est l'Esprit de connaissance. Non, l'Esprit Saint n'est pas la connaissance. C'est lui-même qui bat connaissance.
L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la sagesse. Donc, l'Esprit Saint, pas la sagesse. L'Iba est sagesse. Vous commencez à comprendre. Donc, il y a des fois, il n'y a pas réalisé qu'il y a dénaturé l'Esprit de Dieu parce que nous, Dieu se dit, ils ont force. Non, l'Esprit Saint donne la force. Mais c'est Dieu. L'Esprit Saint dans l'Ancien Testament sous plusieurs formes, mais non révélé. Mais vous remarquez, il dit toujours Esprit de Dieu. Qu'on y a une bonne question. L'on baptise le monde, Jésus va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez l'air de nous. Vous ne pouvez pas comprendre tout le bagage ou gain de cours, mais ce madame a fait de telle façon pour que réellement vous réfléchissiez ou pensiez à ce bagage. Parce que en pile fois nous pas réaliser ça. En Christ habite pleinement quoi? La plénitude de la divinité. Mais au même tout, où vient le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où recevoir Jésus, sous qui forme? Sous forme de l'Esprit Saint. Ah, qu'on y a commencé à comprendre. Et Bible dit que Jésus est devenu un esprit vivifiant. En un terme, l'Esprit Saint possède du Père et du Fils. Lorsque bon Dieu a fait l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors qu'on y a la vie, bon problème. Pourquoi utilise-t-il un notre, c'est notre. On comprend. Donc, notre, c'est pas just mon image. C'est pas à mon image, mais c'est à notre image. Le problème, Dieu est pluriel, ok? On comprend. Et qu'arrive-t-il? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais, ou même, captain des mains, l'on commence à étudier Jésus, ou à commencer, ouais, Jésus est Dieu. Mais il faut nous comprendre, oui. Son nom n'était pas Jésus, non? Ouais, hein? Mais attention, qu'on y en comprenne. En pile fois, chrétien pas réalisé, Jésus, c'est le nom particulier donné à la deuxième personne de la Trinité, ou moi. L'olvin sous terre, et puis on dit, il y a pris l'île Jésus. Mais on même pas prendre trop là-dedans, nous parlons vraiment qui s'appuie devant et que Jésus gagne un nom nouveau. C'est pas Jésus, son autre nom. On pas prendre dans trop bagarre. Mais l'on commence à étudier, ou à commencer à réaliser principaux, ou à commencer à réaliser comment et pourquoi. Ou réaliser, mais rien n'a été fait sans elle. Et tout a été créé par Jésus pour Jésus, tout a été créé par l'Esprit Saint, tout a été créé, vous commencez à comprendre, par le Père. Yo travaille ensemble, mais sous plusieurs formes. M'a clôturé comme ça pour vous, parce que je crois que je dis, hein, m'a vaut plus à le réfléchir un petit peu. Poser question. Réfléchis un petit peu avant. Dans Philippiens ou Apoueli, dans chapitre 2. Mais comment le dire? Où est Dieu? Mais comment le faire? Le Fils a obéi à son Père. Et puis qui ça que bon Dieu fait? L'écrit dans la parole. Avant. Existant sous forme de Dieu, il n'a pas. What? Considérer son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme un bail pour défendre. Existant sous forme de Dieu. Ouais, Dieu a plusieurs formes. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque mon Dieu vient sous terre, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Moi, je crois que l'on commence à comprendre les choses libres à les deux. C'est peut-être ça. Ou bien on dit, mais pasteur, où est-ce loin? Non, non. Mais ça que besoin qu'on comprenne. Besoin qu'on comprenne. Dieu lui-même a vécu dans l'éternité.
Christ a été immolé avant la fondation du monde. Dieu préparait de bonnes œuvres pour qu'on pratique avant la fondation du monde. En un terme, ou est d'éternité? En éternité, il est Dieu. En un terme, pas gagné commencement dans mon Dieu. Pas gagné fin dans mon Dieu. Mais nous-mêmes, bon Dieu commencé avec nous. Et bon Dieu gagne pour lui finir avec nous. Et n'a expliqué ça plus devant. À partir de ce moment d'éternité en éternité. Ou avec gagnons éternité, l'homme pourquoi exister. C'est ça. Gagnons éternité, l'homme vient exister. Nous prenons comprendre bagaille ça. Yo. Parce que, vous connaissez ça, crivé. Si que nous pas réellement fait si effort dans le domaine de ça, ou le domaine spirituel là, nous quittons les dans mes charlatans parfois, nous quittons les dans mes entre guillemets les animistes parfois, nous quittons dans mes une série de monde vraiment qui n'a pas une connexion divine. Et qu'on y a, y a pas l'eau de spiritualité, y a pas l'eau, mais ceci, mais cela, et puis on paquet de bagaille, et on paquet de monde, excusez-moi, mais femme d'élite, qui ont dit j'en timbré, vous comprenez qui pas fini, ok. Donc, y a une série de bagaille, mais moi, dis bon Dieu merci, d'est-ce que, ou même, ou bien Bibou, ou bien l'Esprit Saint de Dieu, et ou carité bon Dieu enseigné, et Dieu a placé dans l'église, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant, pour le perfectionnement des saints. Et il y a réellement besoin qu'on comprenne, qu'on connaît. Concernant les dons spirituels et les choses de Dieu, de Christ, bon Dieu parle que nous ignorons. Donc, ma mando, faites effort pour entrer dans l'enseignement de la parole. Ma clôture comme ça pour vous-même. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. What? M'a répété. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. C'est très difficile pour comprendre ces écritures. Mais bon, petite explication. Il fait rentrer les hommes dans la poussière. Donc, ça signifie les gens qui mourent. Yeah. Tout le monde change. Quand tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. En le terme, la mort. Physique. Ouais. Et puis, il continue, il dit, et tu dis, fils de l'homme, retournez. Qu'on y a essayé de comprendre. Ou même qui parle de comprendre, on dit retourner dans la poussière. Car tu es poussière, tu retournes dans la poussière. On est habitué avec l'écriture, ça, okay? Mais attention, nous connaissons à partir du moment que l'homme créé, c'est quoi qui retourne dans la poussière, l'homme avec l'esprit, hein, pas retourner dans la poussière. Oh! Oh, oh, ah, qu'on y a commencé à comprendre que, faut faire une réflexion, hein. Si que n'a pas les naturels, c'est une, mais si n'a pas les spirituels, c'est une autre. Même qu'on est que Adam vécu, Adam mourit, mais est-ce que réellement Adam suspend d'exister? Nous connaissons. Ah. Et tout le monde connaît, il y a ce qu'on appelle le Saint d'Abraham, ou habitué avec, il y a ce qu'on appelle aussi l'enfer proprement dit. Ah. Parce que non monde qui mourit, il a l'autre côté, l'esprit est à l'autre côté. Ah. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et Jésus te cap dit nous, avant que Abraham est ou fut, je suis. Donc Jésus, c'est Dieu. Alors, pas oublier, le Moïse te pose des questions,
qui est-ce m'abdi koye? Eh bien, wa di yo, je suis ce que je suis. Mwen di bon Dieu merci pour même qui attendez moi jodi a. Un pile bagay que nous couvri un peu difficile. Mais cependant, commencer repédaler dans enseignement ça, pas attendez une seule fois. Retendez-le jusqu'à ce qu'on commence à voir la lumière ou commence à poser bonnes questions qu'on y a. Et puis la prochaine fois, on va continuer. Pas oublier la grâce de Dieu pour l'éternité. Si que c'est simplement pour vivre ça qu'on gagne grâce mon Dieu, nous sommes un monde misérable. Mais moi, dis mon Dieu merci, nous là pour l'éternité. Ma prière avec vous et ma demande au nom de Jésus. Tant comme de Dieu au commencement, ça qu'on cap contribuer, puisque la PD, non seulement pour capter des programmes dans sur les ondes et sur les réseaux sociaux, puisque il faut payer pour toutes les communications sérieuses, pour système, etc. Et qu'on veut comparer pour YouTube, pour des endades, parce que c'est qu'on s'allie. Donc on est que, bah, il faut faire un fait gratis. OK? Mais on te sait jouer pour la grâce de Dieu. Donc, n'a prié, n'a demandé, contribuer le plus qu'on est capable. Non, il est très simple pour qu'on mette, très simple. Pour qu'on mette 917, 900, 5311. Ça, c'est zèle. 917. 900-5311. Au cap fait ça et by contribution. Autre chose que le cap fait, c'est utiliser Cash App. En général, moi toujours montré au Cash App là, m'a fait ça encore aujourd'hui hein, pour moi. Capable by dîme et offrande. Si vous voulez la dîme, pas aucun problème. Si vous voulez l'offrande, pas aucun problème. Mais l'idée c'est bail pour que bon Dieu cap multiplier. Que c'est offrande, que c'est la dîme, Dieu connaît ça que lui-même lui doit faire. Et nous disons bon Dieu merci pour nous-mêmes. Et finalement, nous devons utiliser un chèque ouvrier le bail CCA. Church, nous sommes à Brooklyn, New York. Alors, numéro 1, c'est 272-19, Cortelieu Road, Brooklyn, New York, 11226. Cortelieu Road, 11226. Donc, n'attendons fait le nécessaire au nom de Jésus. Kounia m'a prié et m'a demandé Dieu ouvert cœur pour recevoir. Seigneur grand Dieu, non pas pouvoir par nous, non pas puissance par nous, mais par ton esprit. Que chaque monde qui a entendu des paroles, par esprit saint, développe des pensées, pour y avoir une dimension éternelle là, pour y connaître que grâce, c'est pas simplement pour terre, c'est pas simplement pour ton ça, mais c'est pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, et pour Abdim, amen. Nous pral di bye bye à nous-mêmes et nous di bon Dieu merci pour sollicitude, pour effort, pour présence et nous di bon Dieu merci pour contribution dans œuvre là. Moi connais que c'est bon Dieu qui est capable et c'est vrai, c'est seul lui-même qui est capable. Tout ça besoin, et particulièrement la santé et la vie.